Bonjour, j'ai aimé ce livre. Vladimir Jankélévitch, Henri Bergson. Le bergsonisme est une théorie de la recherche qui se confond avec la recherche elle-même. Le bergsonisme n'est pas une philosophie de l'indifférence. L'acte libre apparaît comme un acte inspiré, inspiré par le génie de ma personne, par ce fort intime qu'Eckhart appelait la petite étincelle. Long à passer, vite passé, tel est le temps, tel le mouvement. Un acte libre est un acte significatif. La lumière est le symbole même de l'omniprésence et de l'ubiquité. Le principe du centralisme bergsonien, c'est qu'il y a infiniment plus dans le sens que dans les signes, dans la pensée que dans la perception. L'immédiat est avant tout le pur. Bergson souligne la pluralité du réel. Leibniz disait que la perspective seule change. L'expansion est la loi de la vie. L'intelligence n'a pas été faite pour entraver les desseins de la nature, mais pour les seconder, pour les rendre plus efficaces. L'essentiel est d'être tout ce que l'on peut être. La vie a une mission, qui est d'insérer de la liberté dans la matière. La sagesse est d'agir en homme de pensée et de penser en homme d'action. Vladimir Jankélévitch, Henri Bergson. Lisez-le, merci.